Je suis sincèrement désolée, aujourd'hui c'était vraiment une journée chargée, chargée de fou, genre dans tous les sens du terme, en émotions, en travail, enfin tout, donc du coup j'ai pas du tout snappé. Sachez que là je suis hyper en retard. En fait, aujourd'hui j'ai pas arrêté quoi, j'ai vraiment pas arrêté, j'ai fait que de rouler parce que j'ai fait des allers-retours, je vous ai pris sous vos trucs, j'ai pris les vêtements de sport encore. J'ai pris les combinaisons, j'ai pris les trainings aussi, j'ai pris les manteaux qui étaient en rupture de stock. Enfin, j'ai fait que bouger aujourd'hui. Donc, sachez que voilà, je m'excuse. En même temps, je raconte ma life parce que du coup, je suis hyper en retard et les filles, elles vont me tuer. Et voilà. C'est tellement riche en émotions que j'ai vraiment besoin de repos aujourd'hui, je crois. Vraiment, la vérité, je vous le dis. J'ai très mal à la tête. Vraiment, très très mal à la tête. J'ai pris un Doliprane il y a genre 3 heures, je crois. Mais bon, ça ne me fait aucun effet. Et wallah, je vous dis, c'est pas normal que j'ai mal à la tête comme ça tous les jours. Moi, je vous le dis. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des trucs aussi, c'est pas normal. Il y a des trucs où aussi je ne me reconnais pas. Bref, c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Moi, je vous le dis. Je sais que. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout ce que j'ai. Mais je vous jure que. Aujourd'hui, j'avais tellement le sang chaud. Pour rien en plus. Genre vraiment pour rien. Mais je sais pas. Des fois, je me reconnais pas. Des fois, je me reconnais pas. Et je vous jure, ça m'a rendu tellement triste que j'ai pleuré parce que ça faisait longtemps que j'étais pas comme ça. Et là, je me suis revue comme ça m'a fait peur. Genre, j'étais énervée de fou. Et quand je suis énervée, genre de base, moi, je suis quelqu'un de très chill. Ça veut dire que il m'en faut beaucoup pour m'énerver, tu vois. Mais je sais pas. Il y a un moment, je sais pas, j'ai vrillé. Je suis comme ça, de toute façon, vous me connaissez, hein. Si vous saviez tout ce que j'ai à vous dire, mais que je peux pas vous dire parce que j'ai peur que vous me preniez pour une folle, je préfère le garder pour moi. Tant que ma mère, elle sait ce que j'ai. Enfin, tant que ma mère, elle sait mon caractère et elle sait comment je suis. Et que c'est la seule qui peut vraiment m'apaiser. Genre, on va dire ça comme ça. Le reste, personne ne peut comprendre. Wallah, personne ne peut comprendre. Et là, vous pensez que je vous parle chinois. Je vous jure, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'étais vraiment épuisée moralement. Heureusement que j'avais la famille avec moi. Ça me fait du bien, je vous jure, d'être avec ma famille, ça me fait vraiment du bien. De rigoler avec eux. Je sais pas. Je pourrais pas vous expliquer en ce moment. De toute façon, je n'ai pas vraiment le moral pour vous expliquer, mais. Peut-être que je vous expliquerai un jour, mais dans tous les cas, la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer un truc à ma communauté. Ils ont rien compris. Ils ont fait une rediff sur TikTok. Et tout le monde a dit que j'étais folle. Voilà. Tout le monde a dit que j'avais regardé trois Harry Potter. Bref. Alors que je voulais simplement partager mon ressenti avec vous. Mais bon, je vois que la plupart de ma communauté ne comprennent pas forcément et ils préfèrent faire des rediffs TikTok en disant « Ouais, Felicia, elle est demi-folle. » Voilà, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai moins l'envie en fait de partager avec vous. Des gens qui m'ont demandé si je refais des injections, je n'ai absolument pas retouché mes lèvres, les gars, et je vais laisser le naturel comme ça. C'est peut-être que j'ai mis un gloss qui répulpe les lèvres, mais sinon c'est tout genre. It's my lips. Je vous montre juste la pépite que j'ai prise pour vous. Regardez juste, c'est incroyable. En gros, genre c'est une
C'est une veste, enfin c'est une jaquette du coup, avec l'écharpe, qu'on la met comme ça. Regardez comment elle est trop belle, avec les petits boutons. Et puis pour quand il pleut et tout, moi j'aime trop genre, quand il pleut, c'est trop beau. Genre c'est incroyable. Sachez que les filles, aujourd'hui, vous vous rappelez de la boutique, celle qui m'a offert des vêtements gratuitement, genre trop trop mignonne. Bah regardez, ça c'est la combinaison qu'elle m'a offert, genre beaucoup trop belle, genre incroyable. Genre elle est trop trop belle. D'ailleurs, je sais plus c'est quoi le nom de sa boutique, mais genre je vais vous mettre la ref parce que genre autant lui donner la force tellement que c'est beau de quoi. Et avec, elle m'a offert avec un petit sac rosé comme ça. C'est pas trop mignon genre? Moi je rentre à la maison personnellement. Je pense que les autres filles vont rentrer également. C'était une bonne soirée, on allait au resto. Après on allait au Gypsy. Le Gypsy en fait c'est un restaurant et à côté genre il y a de l'ambiance, ça veut dire qu'il y a des gens, ils dansent, etc., etc. Donc voilà, on est resté genre 30 minutes. Et voilà, là on rentre. Enfin moi en tout cas de mon côté je rentre. Et voilà, c'était une bonne soirée. J'ai retrouvé mes copines de base que je devais aller voir depuis longtemps mais ça s'est pas fait. Et du coup là. C'est moi, Kylian Mbappé du ghetto. C'est tout car pas servi à fumer du pédo. Jamais tu me fais un truc de travers. Si jamais t'essayes, ça te filme jamais. On respectera toujours la loi. Regardez qui s'est retrouvé. Et mon amour, qui s'est retrouvé. Mon amour, mon bébé, mon amour. Je te jure, j'ai hâte de rentrer à la maison pour te voir. Je te jure. T'as mangé 3 friandises, t'en peux plus de manger tes friandises. Tu veux dodo avec maman? Tu veux dodo avec maman? Non, je t'aime! Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te jure, je t'aime. Allez, fais la roulade, 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 fais la roulade. Je t'aime, je te jure, je t'aime. Bisous. Moi, je t'aime, moi, je t'aime. Qui veut jouer? Qui veut jouer? One. Mais donne un peu à maman. Mais tu partages pas. Bon les filles, ce que je vais faire, c'est que là je vais me démaquiller, d'accord? Parce que je suis vraiment fatiguée, genre. J'ai passé une bonne soirée et demain matin, je vous montrerai tout ce que j'ai pris. J'ai encore des sacs à récupérer. J'allais dire quoi du coup J'allais dire quoi? Ouais, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous, des pépites. Genre des pépites. Alors déjà, j'ai pris quelques stocks de vêtements de sport parce que j'avais plus d'ensemble. Et ensuite, je vous ai pris des joggings, les filles, avec des ensembles du coup. Et du coup des manteaux du coup pour l'hiver que vous mettez avec les ensembles vêtements sport, genre ça le fait de ouf. Moi j'ai vraiment genre le, enfin j'ai vraiment mis le côté, enfin j'ai vraiment mis le style streetwear en avant. C'est trop beau, je vous jure les filles, moi je m'habille que comme ça maintenant, genre je m'habille que en streetwear, c'est trop stylé, genre j'aime trop. Après bien sûr, bien évidemment les filles, il y a des moments où il faut être classe, mais tu peux toujours être classe en ayant du street avec la petite équipe. On les adore. La petite réunion. J'en ai marre d'elle. Voilà, j'en ai marre. Si vous
vous saviez comment j'ai la flemme de même. Pardon, Litchi. Si vous saviez comment j'ai la flemme. Oula, je me suis levée trop vite. Waouh. Si vous saviez comment j'ai la flemme de me démaquiller, genre là. J'ai trop la flemme. Je m'habillerai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve bégé, un peu gêné quand la famille me demande le prix. Ils sont jaloux, jaloux, de qui jaloux? On commence par qui? J'ai enlevé toutes mes extensions. Là, j'ai eu, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un hématome, je crois, parce que ça me fait super mal et j'ai un gonflement ici. Mais sinon, voilà, je les ai enlevés et je crois que je vais plus faire. Ou je sais pas, je dis ça, mais après je vais les refaire. Au pire, de toute façon, j'ai les extensions de cils de chez Parisenka. Là, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais me prendre une paire de bottes parce que j'ai pas de paire de bottes en talon. Je vais aller chez Nomi. Comme ça, je vous montre un peu ce qu'il y a là-bas. Et ensuite, je vais venir. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, la tenue que. Enfin, toutes les tenues que j'ai pris pour vous. Et voilà quoi! Je veux me donner à toi, tu sais. 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 Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. C'est cher. Alors là, je vous explique ce que je vais faire. Je vais récupérer ma carte parce que j'ai oublié mon sac en fait chez ma famille. Et donc je vais récupérer ma carte parce qu'en fait mon Apple Pay ne fonctionne pas. Genre, je comprends pas pourquoi j'ai un problème avec Apple Pay. Là, je sais. Genre aujourd'hui, juste maintenant. Donc du coup, je vais récupérer ça et ensuite je vais aller à Nomi. Je vais vous montrer quelques trucs, enfin surtout les bottes et tout, parce qu'il y a trop de nouveautés. J'ai regardé sur le site, il y avait plein de nouveautés. Putain, j'ai les cheveux en pétard. Il y avait plein de nouveautés sur le site, donc je vais vous montrer ça, comme ça, bah, au cas où, si pour l'hiver vous voulez des trucs, quoi, des vêtements. Pas des vêtements, putain, je parle aléatoirement. Des bottes, ben, au moins vous irez là-bas, quoi. Donc du coup les filles et les garçons, comme je vous ai dit, je devais passer à Nomi, d'accord. Je suis allée récupérer ma carte chez ma famille, je suis restée un petit peu, j'ai mangé. Ensuite, le temps d'y aller et tout, en fait ça s'est fermé. Genre en fait j'ai pris genre limite 40 minutes à y aller quoi. Donc là, tous les sacs, là, en fait je suis toute seule donc du coup c'est un peu galère, mais tous les sacs je vais les monter. Mon ticket. Ah, tous les sacs, je vais les monter et je vais vous montrer ce que j'ai pris comme pépite. Et à partir de demain, je crois, demain, 1h de l'après-midi, ça sera en ligne. C'est bon? Alors, déjà, les filles, regardez ce que je vous ai pris. Putain, non, j'ai trouvé mon truc. Non, c'est bon. Les filles,
Regardez. Je sais pas si vous allez kiffer ou quoi, hein, mais dites-moi réellement. Genre ça, c'est un ensemble. On a le pull avec le bas. Il est trop beau. Genre trop beau. Et je sais qu'en gros, genre les trainings comme ça, de bas, ça, il y en a partout. Mais j'avais jamais vu encore avec... j'avais jamais vu encore avec les bas, avec les hauts comme ça, à rayer, genre. Oh, ils sont trop beaux, genre. J'ai trop hâte de vous montrer ça, attendez.